Bonjour, monsieur Bigrat. Est-ce que je peux aller vous reconduire? À quel honneur? J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent. On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles. C'est deux gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon sens, hein, de Gaulis? T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi. Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest, c'est pas des enfants de cœur. Where's the money? Pourquoi vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlé. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps. Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait de victimes. Toujours les victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour te nuire. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. On peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. Je peux compter si vous voulez. Ouais, OK. Tu vas pas me compter 3 millions? J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins, j'aurais essayé. C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là? Évidemment. Ils déposaient ça directement au permis. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des Transports, c'est trop risqué.